on allait déposer la petite madame à la garderie. Puis aussi, je viens d'aller voir le frigo congélateur dans le coin de Saint-Émile pour ceux qui ont de la misère à manger, les frigos qu'il y a dans la ville de Québec. Pas parce que je veux en prendre, inquiétez-vous pas, là. J'ai assez de bouffe chez nous, puis je suis pas rendue là à aller chercher de la bouffe dans les frigos. Mais je suis juste allée voir pour faire l'inventaire, puis aller porter du stock au contraire. J'ai envie d'aider les autres, vu que j'ai tellement de bouffe à maison, puis j'adore cuisiner. Fait que j'ai vraiment envie de cuisiner, puis d'aller porter de la bouffe dans les frigos. Puis là, ben, je suis allée voir qu'est-ce qu'il y avait. Il y avait les fameuses bines. Les haricots noirs que j'avais reçus dans un panier alimentaire. Fait que je vais faire le tour de mon congélateur, de mon frigo, de mon armoire, parce que j'ai dit ça, que je mangerais pas nécessairement du canage comme moi, des canages de dinde, de jambon en canne. Moi, je ne traite pas tant que ça. Je garde tout ce qui est poisson, thon et saumon pour faire des pâtés et tout. Mais je vais aller porter demain, quand je vais aller porter Amélie à la garderie, je vais aller porter les canages de jambon et de dinde parce que ça peut quand même dépanner quelqu'un. Il n'y avait pas grand-chose, je peux comprendre que là il fait plus froid puis ça gèle. Il restait, je pense, une pomme de laitue. Il restait une pomme de laitue, des cannes d'haricots noirs. Une boîte de Mr. Freeze vide, une boîte de ramen vide. Fait que il restait vraiment plus grand chose. Je sais pas s'il y a des gens dans ce coin-là qui sont pas mal en point, mais qui sont démunis. Je sais qu'il y en a d'autres de frigo. Je sais qu'il y en a un à Charlebourg, dans le coin du Terminus des Roses. Fait que. Je vais essayer de garnir ce frigo qu'on a là pour aider les gens dans le coin. Fait que ça peut aider. Je sais qu'il y en a du monde qui sont allés emporter du stock parce que sur j'habite Lac-Saint-Charles, il y en a qui ont écrit qu'ils avaient été emportés. Fait que moi, je vais faire le tour de mes trucs. Puis je vais, demain, je vais aller emporter. Fait que je vous montrerai. que je vais apporter. Sinon, hier... Hein, il y a un chien qui traverse tout seul la rue. Wow! C'est un chien perdu. Bonjour à tous! J'espère que vous allez bien. Il est présentement... Oh, il est déjà 11h. Presque 11h. Il s'est passé tout que quelque chose, là, vraiment. J'ai vu un chien abandonné qui a traversé la rue dans le coin du garage au lac Saint-Charles. Fait que j'ai été à la clinique vétérinaire le plus proche, j'ai fait des annonces sur Facebook puis tout. Puis il n'y a personne qui répondait. Ils ont partagé mon annonce au moins. Puis, fait que j'ai décidé d'aller le porter à la SPA. Fait que là, je suis allée le porter là-bas. Puis là, je m'en vais prendre un café avec mon amie Mégane. Fait que... C'est ça, une amie que ça fait longtemps que j'ai pas vue. Mais vraiment longtemps que j'ai vraiment pas vue. Fait que... C'est ça, puis après ça, je vais remonter à la maison. Il est déjà rendu 11h. Je vais vous donner au courant, je vais vous vlogger en sortant. Sauf que j'ai pas d'argent pour manger. C'est pas grave. Y a du monde en masse ici. Oui.
Non.